La Grande Guerre 1914-1918. Winston Churchill 1918. Nous avons gagné la guerre d'une manière spectaculaire par son caractère total et écrasant. Mais avant de vraiment nous réjouir, nous devons faire le ménage. Nos usines ont été transformées pour approvisionner nos armées. Elles doivent être remises en état. 3 millions de nos hommes sont répartis dans le monde. Partout, ils sont des conquérants. Mieux encore, partout, ils sont libérateurs et sauveteurs. On veut les ramener chez nous. Nous voulons qu'ils revoient leurs enfants. Quelle tâche nous attend ? Tous ceux qui ont travaillé ensemble pour traverser les années de guerre doivent maintenant travailler ensemble pendant cette prochaine étape. Sinon, la victoire pour laquelle on a fait tant de sacrifices sera vaine. Nous avons gagné la Grande Guerre, gagnons maintenant la Grande Paix. La Grande Guerre 1914-1918. Thomas Edison. C'est Edison qui vous parle. La Grande Guerre restera vivement gravée dans la mémoire des Américains pendant 100 ans. J'espère que, quand on rendra hommage à nos soldats tombés en France, nous n'oublierons pas leurs frères d'armes qui portaient les uniformes de nos alliés. Je crois que les hymnes nationaux de la France, la Grande-Bretagne, l'Italie et la Belgique doivent devenir à jamais aussi connus que notre propre bannière étoilée. La Grande Guerre 1914-1918. Kurt von Lessner. À Versailles, il y avait un homme en face de nous, le vieux Clémenceau, qui effectivement était le porte-parole de son peuple et de ses 25 alliés. Jamais je n'oublierai ce jour terrible de Versailles, où notre destin politique, trop longtemps fixé par de vieux tigres, où notre misère morale et notre pire déchéance commencèrent. La dernière raison de la conclusion malheureuse que l'on connaît de la guerre, cela ne fut pas la défaillance de l'armée allemande et du peuple allemand, mais l'absence d'un homme d'État exceptionnel. Aucun peuple ne peut longtemps résister s'il n'a pas à sa tête un vrai guide. La Grande Guerre 1914-1918. Léon Daudet. Après le choc du 21 mars 1918, Hindenburg, se voyant déjà vainqueur, annonçait à un journaliste suisse l'établissement d'une forte paix allemande, Pax Germanica. Dans l'esprit de Stresemann, duc de Locarno et comte de Thoiry, la paix, la vraie paix, c'est le retour à l'Allemagne de tout ce que lui a enlevé le traité de Versailles. C'est aussi le rattachement de l'Autriche, l'Ostruch. Je note ici, entre parenthèses, que si Stresemann ou un autre obtient l'évacuation anticipée de la Rhénanie, notre frontière de l'Est n'est pas défendue et nous nous trouvons à la merci d'une attaque à laquelle la social-démocratie ne s'opposera pas plus qu'en 1914. La Grande Guerre 1914-1918. Philippe Scheidemann. Novembre 1918. Il règne au Parlement dès les premières heures du jour une grande effervescence. Entre le château et le Parlement, il y avait une immense marée humaine qui se mouvait çà et là. Lenneck veut proclamer la République soviétique. Quoi ? Maintenant, la situation m'apparaît clairement. L'Allemagne, une province russe, une filiale soviétique ? Non, 100 fois non, aucun doute. Si maintenant les attroupements devant le château sont des bolcheviks et ceux devant le Parlement des sociaux-démocrates, et s'il parvient à les manœuvrer, il a gagné. La folie russe m'apparaît. La dissolution de la terreur tsariste par la terreur bolchevique. Non, non, qu'après toutes ces misères, qu'il n'y ait pas encore cette catastrophe qui s'abatte sur l'Allemagne. Je parvins à la fenêtre.
Des milliers de bras se levèrent pour soulever leurs chapeaux et leurs bonnets. Puis le silence. Je ne prononçai que quelques phrases. Travailleurs et soldats, ces 4 années de guerre ont été terribles, cruelles ont été les sacrifices que le peuple a dû subir pour ce qui est de leur bien et de leur sang. Cette triste guerre est maintenant terminée. Les crimes sont passés. Les conséquences de la guerre, le besoin et la misère vont encore peser sur nous de longues années. La défaite que nous voulions éviter à tout prix ne nous a pas été épargnée. Nos propositions d'entente ont été sabotées. Nous-mêmes fûmes bafoués et calomniés. Les ennemis du peuple travailleur, ceux qui ont plongé l'Allemagne dans le chaos, ont rapidement disparu de la scène. Ce sont ces hommes belliqueux aux volontés de conquête qui hier encore soutenaient leurs droits, menant le combat le plus acharné contre toute réforme de la Constitution et plus particulièrement contre toute réforme de cet infâme système de vote prussien. Ces ennemis du peuple, nous en sommes, espérons-le, débarrassés à jamais. La vieille monarchie pourrissante est tombée. Vive la République allemande. Lettres et carnet du front, 1914-1918. Philippe Pétain. Communiqué à la presse du 11 novembre 1918, 21h. Au 52e mois d'une guerre sans précédent dans l'histoire, l'armée française, avec l'aide de ses alliés, a consommé la défaite de l'ennemi. Nos troupes, animées du plus pur esprit de sacrifice, donnant pendant 4 années de combat ininterrompus, l'exemple d'une sublime endurance et d'un héroïsme quotidien, ont rempli la tâche que leur avait confiée la patrie, tantôt supportant avec une énergie indomptable les assauts de l'ennemi, tantôt attaquant à leur tour elles-mêmes et forçant la victoire. Elles ont, après une offensive décisive de 4 mois, bousculé, battu et jeté hors de France la puissante armée allemande et l'ont contrainte à demander la paix. Toutes les conditions exigées pour la suspension des hostilités ayant été acceptées par l'ennemi, l'armistice est entré en vigueur ce matin